Après bataille Hertier, en novembre 1803, époque domination la France là finit sous territoire. Kounia, c'est ancien esclave révolté qui passait maître. Pour y être proclamé indépendance Haïti, 1er janvier 1804 dans Gonaïve, des salines te voulait faire gros fête. Environ 250 000 moun t'apral réuni pour assister cérémonie déclaration indépendance pays d'Haïti. Dessalines te chargé un secrétaire li qui te relé Charleroi pour te écrit acte indépendance nation tout neuf ça. 31 décembre 1803, la veille date proclamation, 34 pigou général l'armée révolutionnaire te réuni pour yo coûter le petit acte indépendance Charleroi te écrit a. Mais à cause Charleroi te vivant pile dans aux États-Unis, acte indépendance li te écrit a te semblé tête coupée avec acte indépendance pays États-Unis. Li pat reflète réalité ak émotion kap traversé un groupe esclave noir qui te mette en déroute yon nan pi gro lame qui te existé nan époque la. C'est là ça, yon jeune secrétaire de Saline qui te relé bois Antonin prend la parole. Mais qui ça te dit? Pour écrire ak indépendance nou, n'a besoin pour yon blanc pour papier. Calbas tête li pou an kriye, sans pou lank ak yon bayonet pou plim. Dessalines te tellement content an de déclaration sa, li décide charger Boiron Tonnerre pour écrit ak indépendance lan. Et li ordonne que ak li pou al écrit a doit refléter la haine ki yo ressenti pou ancien colon français yo. Mais qui est Boiron Tonnerre tiye? Louis-Félix Marturin Boiron Tonnerre te fait le 6 juin 1776 dans ville Torbeck. Papa altéré le Marturin Boiron. C'était un charpentier. Littéré le petit garçon Louis Boiron. Yo te vin ajouter Tonnerre là nan nol après un coup de l'oreille été frappé Bersol pendant te tout petit. Boiron Tonnerre te yon milat. Li te fait libre et li te jwenn chance à le faire étudier li nan ville Paris grâce à tonton qui te à la fois parrain li qui c'est Louis François Boiron qui te député colonien en France. Boiron te tourné sous île Saint-Domingue lan nan année 1798. Li rencontré Dessalines en 1803. Dessalines te remè gentil jeune homme l'en parlé avec autorité. Li te prend comme adjudant général. Et puis ta, li te prend le fait secrétaire privé. Boiron Tonnerre, c'était yon nan pi fidèle allié Jean-Jacques Dessalines. Nan année 1806, yon jou ki te 17 octobre, yon assassiné Jean-Jacques Dessalines nan Pont Rouge. Complote yo, te tout fait arrêter Boiron. Même joie et jeté dans prison. Yo té assassiné dans cellule prison yo té metté là à coup de baïonnette quelques jours après le 24 octobre 1806. Li té gen à peine 30 l'année. Boiron Tonnerre té écrit un poème qui té gen 4 vers là-dedans sous Mikacho côté il té emprisonné. Boiron Tonnerre c'est l'auteur document officiel ça. Qui relè ak indépendance pays d'Haïti. Techniquement, c'est Boiron Tonnerre qui écrit Baptiste pays a. Li té écrit un livre qui relè mémoire pour servir à l'histoire d'Haïti. Côté raconter ça qui t'est passé depuis expédition Leclerc là, j'scrivé à proclamation indépendance là. C'est Joseph Saint-Rémy qui t'est publié livre ça dans année 1851. Et yo considéré comme premier œuvre littéraire haïtien.